service n'a pas commencé et nous avons déjà vendu 45 000 places, ce qui est très très en avance par rapport à ce qu'on pensait. Donc moi je suis absolument ravi. Ça a très très bien marché. Alors d'abord dans le sens Angleterre vers la France. On a capturé quelque chose dans l'imagination en Angleterre. Les gens adorent l'idée d'aller à Marseille et d'arriver en Eurostar et de voir la mer. Alors, on est assez fort en termes de marketing sur l'Angleterre. On est très bien établi là-bas. On a une couverture presse exceptionnelle sur la ville de Marseille, avec des pages entières dans les journaux du dimanche qui expliquent quoi faire. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, c'était la meilleure publicité possible pour la ville de Marseille. Et donc, on a beaucoup de ventes. Mais on vend aussi au départ de Marseille. Là, il faut qu'on fasse... Alors voilà, ça, c'est les publicités. Ça, c'est les publicités qu'on fait à Londres. Voilà, direct pour Marseille. Et puis, on va continuer d'investir aussi ici pour encourager les Marseillais à aller à Londres pour visiter cette ville qui est absolument fantastique. Un dernier mot, je terminerai là, c'est que on a notre métier, comme je vous le disais, c'est d'inciter les gens à voyager et donc de leur donner des raisons de voyager. Donc avec un billet Eurostar, nous avons des partenariats avec tous les grands musées de nos principales villes et maintenant Marseille, avec le MUCEM, et avec un billet Eurostar, vous avez deux places pour le prix d'une dans tous les grands musées de des villes qu'on dessert. Donc vous voyez, c'est juste un exemple pour vous dire. On travaille toujours en coopération avec la communauté dans laquelle on travaille. Et moi, je suis extrêmement content qu'on soit ensemble aujourd'hui, parce que c'est la même chose à Marseille. On va travailler avec le tissu local pour s'assurer qu'on donne les meilleures opportunités à nos clients quand ils arrivent, pour qu'ils aient vraiment envie de revenir et d'en parler à leurs amis.